Waouh! La puissance de Dieu, profondeur de sa sagesse, extraordinaire. S'il vous plaît, connectons-nous massivement pour notre grand direct de ce matin. On va faire le direct ici au bord de la mer. Regardez la gloire de Dieu, regardez la puissance de Dieu. Comment ne pas craindre le Dieu qui a fait ces choses-ci, regardez. Profitons de cet espace pour méditer. Que chacun médite sur le propriétaire de toutes ces choses que vous voyez, les oiseaux qui s'envolent, les humains au bord de la plage, les vagues folles qui s'affolent, les pêcheurs sur la pirogue. Ouais. Et d'autres pêcheurs là-bas en train de tirer. Imaginez-vous un seul instant, celui à qui toutes ces choses appartiennent. Voilà un brave pêcheur là-bas. Waouh, waouh. Ah. Qu'il est redoutable, Dieu qui a créé ces choses. Ça, c'est un bon endroit pour venir méditer. Un bon endroit pour apprendre une leçon d'humilité. Ah, une belle image là que j'ai ratée. Tout à l'heure, il a été emporté par. Il a surfé presque sur le vent. C'était trop beau à voir, mais malheureusement, j'ai raté ça. Regardez la beauté. Les écumes des eaux. La puissance de Dieu. La fidélité de celui que nous servons. Comment ne pas aimer Jésus? Comment ne pas craindre le nom de Dieu? Comment ne pas lui vouer un culte agréable? C'est trop beau, sincèrement. Regardez la puissance de la mer. Combien plus grand et plus puissant est celui à qui la mer obéit? Excusez-moi. Hein. Je suis en train de tremper mon pantalon. Donc c'est ça mes bien-aimés. Ici, tu te rends compte combien de fois tu n'es rien. Combien c'est Dieu qui tient ta vie dans sa main. Combien, en fait, la vie en elle-même n'est rien sans Christ. Regardez l'étendue de la mer. Imaginez-vous, la Bible dit que dès la création de la mer, Dieu a donné ses ordres à la mer et la mer n'a jamais désobéi. Regardez où les vagues viennent s'arrêter par obéissance. Pourquoi elles ne traversent pas? Elles pourraient bien traverser. Dieu tient toutes choses par sa parole puissante et souveraine. Toutes les vagues là viennent s'arrêter là. Parce que c'est la limite que le Très-Haut leur a imposée. Gloire à toi, Seigneur. Contemplons ta gloire et ta magnificence. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur, à lire le message que tu nous donnes par la nature. Je crois que là, j'avance déjà un peu trop. Hein. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. S'il vous plaît, partageons cette vidéo au maximum. On va faire notre live ce matin au bord de la mer. Partage la vidéo et je veux parler des choses très importantes. Et nous aurons pour musique, en fond sonore, l'adoration des vagues. Hey.
L'adoration des vagues, voilà. Laissez-moi vous montrer encore ça. Regardez, regardez derrière moi. Voilà. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Je suis ébloui. Je suis fini par la beauté. Aïe! Ça, c'est le culte. Ça, c'est plus qu'un culte ici. La prise de conscience est énorme. Craignons ce Dieu-là. Craignons ce Dieu. Je vous dis la vérité. Il faut le craindre. Regardez cet oiseau qui passe. Extraordinaire. Ok, voilà. Alors cette nuit, le Seigneur m'a fait grâce d'une visitation divine qui m'a bouleversé. Et je pense que j'aurai une rencontre personnelle avec tous les pasteurs, tous les ouvriers de Réma. Nous aurons une rencontre. S'il plaît à Dieu, ce samedi, je vais confirmer la date. À cause de l'excellence de la révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'a montrée cette nuit. Et c'était très sérieux. Ça, c'est quoi ça? Les insectes, ils sont partout, quoi. Et je voudrais partager avec vous les choses que le Seigneur m'a révélées. Regarde ça. Oh, il est parti. Donc, cette nuit, étais-je de 10 ans, j'ai passé un grand moment de prière et de méditation, et j'ai tiré le thème de la rencontre des hommes de Dieu. Et le thème, c'est les jougs étrangers. Les jougs étrangers. J'ai parlé des jougs étrangers et nous allons aussi parler de, décidément, les insectes s'y sont partout. On va parler du joug étranger et nous allons parler des familles. Les familles des anges du ministère. Les familles des anges du ministère. Donc voilà, on va parler de ces deux choses. Je crois que je peux m'asseoir là. Ah, mon Dieu, c'est naturel ici vraiment. Donc, les familles des anges, ou les anges du ministère. Les anges du ministère. Il y a des anges spécifiques pour le ministère. Donc, et on doit comprendre cela. Un homme de Dieu doit savoir ça. Les anges du ministère, il faut les connaître. Et on va parler du joug étranger dont le Seigneur a parlé cette nuit. Donc, je vais donner ces révélations pendant la conférence des hommes de Dieu, mais je tiendrai déjà une rencontre avec tous les pasteurs de Réma et tous les ouvriers pour essayer de leur parler en interne de cette interpellation que le Seigneur m'a donnée. C'est des clés du ministère et des clés de la vie. Et nous bénissons le Seigneur pour le don de la révélation, la grâce qu'il nous accorde de nous parler et de l'écouter. C'est toujours un privilège. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de préparer cette fin d'année qui sera pas comme les autres dans tous les cas. Je voudrais encourager quelqu'un qui est en train
de monsieur, peut-être pour la première fois, à prendre ça très au sérieux. Cette fin d'année sera spéciale. Nous avons déjà le pèlerinage, notre pèlerinage annuel sur le mont Kolafamba. Et après cela, nous avons des rencontres des hommes de Dieu, deux grandes rencontres à Yaoundé et à Douala. Après cela, nous aurons la préparation au mariage à Yaoundé et à Douala. La date vous sera communiquée d'ici demain par la grâce de Dieu. Et cette semaine, nous avons la nuit de prière, nous avons le culte de plainte à Bertois ce dimanche 24 à partir de 16h à Beaumont. Et dimanche le 31, ce sera le culte de plainte à Yaoundé et à Douala. Donc c'est une fin d'année spéciale. Et cette année, il n'y aura pas de convention annuelle. Il n'y aura pas de convention annuelle, mais nous travaillerons autrement. Voilà, nous allons travailler autrement. Le joug étranger. Laissez-moi vous donner quelques bribes de la révélation que le Seigneur m'a donnée là-dessus cette nuit. Premièrement, il faut savoir que la marche avec Dieu exige des sacrifices. Ce n'est pas le libertinage. Ça veut dire que si vous êtes libertin, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Et je reviens sur le fait que beaucoup de personnes considèrent que le succès dans le ministère, c'est la sorcellerie ou bien la magie, vous voyez. Et le succès de certaines personnes, quand je dis succès, c'est entre guillemets. Parce que le Cameroun n'a pas encore commencé à voir le succès dans le ministère. On n'a pas commencé, mes amis. On n'a pas commencé. Vous savez ce qu'on appelle le succès dans le ministère? C'est bon parfois de regarder ailleurs. Regarder ailleurs. Parfois, je vois mes enfants qui suivent d'autres hommes de Dieu pour regarder comment ils font, comment ça se passe. C'est important. C'est important pour ne pas être recroquevillé seulement ici. Regardez, ça veut dire que quelqu'un qui voyage change de mentalité. Quelqu'un qui voyage est plus ouvert qu'une personne qui ne voyage pas. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que si tu es né dans ton village, tu n'es jamais sorti de ton village, tu n'auras pas la même conception avec ton voisin qui est né dans ton village, mais qui est allé à Yaoundé ou bien qui a vu Douala. Mais le gars te dira qu'ici, là, nous sommes en arrière. Il va te parler d'électricité que tu ne connais pas dans ton village. Il te parlera d'Enéo que tu ne connais pas. Il te parlera du robinet que tu ne connais pas dans ton village. Il te parlera d'université qui n'existe pas dans ton village. Il te parlera de taxi qui n'existe pas dans ton village. Moi, je me souviens quand je suis quitté du nord pour venir ici. Les taxis au nord, dans une ville, tu pouvais compter 5 taxis peints en jaune. Je n'avais jamais pris de taxi de toute ma vie. Je n'avais jamais pris de taxi. Les embouteillages, là, on ne connaissait pas ça. C'est ceux qui avaient quitté le cocon du village pour venir en ville qui connaissaient ce que c'est qu'un embouteillage. Nous, on ne savait pas ça. Donc, quand je suis arrivé à Yaoundé pour traverser la route, il fallait qu'on me tienne la main pour m'aider. Donc, au milieu de la route, je fais demi-tour, marche arrière en courant. Parce que j'étais convaincu que les conducteurs-là étaient mal intentionnés. Ouais. Il n'y avait pas d'humanisme ni d'humanité en eux. Donc, c'est important de voir ce que Dieu fait avec les autres. Donc, on n'est pas encore béni au Cameroun. Les hommes de Dieu ne sont pas bénis. On n'a pas atteint le succès dans le ministère. Mais, malheureusement, la mentalité de plusieurs enfants de Dieu et leur mauvaise foi et la mentalité de plusieurs hommes de Dieu et leur mauvaise foi font en sorte que dans ce que nous avons, les bribes du succès, les soubresauts du succès, il y a des gens qui, sciemment, sachant qu'ils mentent, répandent la mauvaise nouvelle comme une traînée de poudre. Que tous ceux qui rassemblent beaucoup de gens au Cameroun actuellement sont des sorciers ou bien ceux qui ont une certaine visibilité financière, entre guillemets encore là. Donc j'ai dit c'est la mauvaise foi, c'est juste la mauvaise foi. Et cette nuit le Seigneur m'a parlé encore de cela. Et je pense que c'est ma force là-bas, les principes du royaume, les principes divins, c'est important. Les principes divins. Ouais. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui sont tellement aigris jusqu'à devenir aigres. Des personnes qui, ça veut dire qu'elles ont une haine noire de nous autres. Mais on s'en fout.
on s'en fout éperdument, sincèrement. Ta haine, ta jalousie ou bien ta calomnie, depuis que tu calomnies, ça a changé quoi? Si ce n'est pas que ça ne fait qu'augmenter les grades et pousser Dieu à faire encore plus d'avantages. C'est ça la réalité. Vraiment que quelqu'un m'aime ou que quelqu'un ne m'aime pas, je m'en fous. Hein. À partir du moment où ce n'est pas toi qui me nourris et ce n'est pas moi qui te nourris, ça fait en sorte que personne ne doit rien à personne. Donc tu es libre de parler comme tu veux, mais le monde va avancer. Le monde continue à avancer. Les gens continuent à faire des succès. Les gens continuent à servir Dieu. C'est ça. Vous voyez, c'est important. Et j'ai eu à enseigner sur ce fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont attentives à ce que les gens pensent d'elles ou à ce que les gens disent d'elles. Ce n'est pas important dans la vie. Si vous voulez marquer votre génération, mes amis, vous ne devrez pas tendre les oreilles à ce que les gens disent de vous, bien chercher à savoir ce que les gens pensent de vous. Ce qui est le plus important, vous-même, dans votre conscience, c'est de savoir si vous êtes où Dieu veut que vous soyez, si vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est ça le plus important. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et comme j'ai eu à dire lors de mon récent direct, il y a des choses que vous découvrez au fur et à mesure que le temps passe. Malheureusement, c'est très triste. Beaucoup d'hommes de Dieu dans mon pays qui ont eu à mal parler ou bien qui me disent, qui continuent à mal parler, de nous répandre la calomnie, malheureusement, ne sont pas des modèles, ne sont pas des exemples en eux-mêmes. Alors cette nuit, le Seigneur m'a transporté en esprit et il m'a montré une vision forte. Et il m'a dit, mon fils, ne vous mettez pas avec les non-croyants sous un joug étranger. Et c'est cette compromission qui est à l'origine de l'échec de beaucoup de chrétiens en tant qu'enfants de Dieu d'abord. La compromission. La compromission. La compromission, c'est lorsque tu fais des choses que tu n'es pas supposé faire. C'est lorsque tu te mets avec des infidèles, des non-croyants sous un joug étranger. Et c'est le message que Dieu m'a donné cette nuit. Que le problème de beaucoup d'hommes de Dieu, c'est la compromission. Et quand un homme de Dieu se place donc, le ministère ne produit rien. Le ministère n'avance pas. Et il commence à penser que ceux qui réussissent là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème que tu dois savoir, moi je te dis mon secret, hein, ce que je te dis hein, est très sérieux. Prends ton bic et ton cahier, note-le, je vais te donner le secret de ma sorcellerie. On n'a pas besoin de pratiquer la sorcellerie pour réussir avec Dieu. Le problème du ministère au Cameroun, c'est la corruption. Les hommes de Dieu sont corrompus, les enfants de Dieu sont corrompus et nous menons des vies qui ne glorifient en rien le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme on viole les lois du succès, alors automatiquement, on paye le prix. Dieu honore celui qui l'honore. C'est très important de noter cela. Dieu honore celui qui l'honore. Mais si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne t'honore pas. Si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne t'honore pas. Donc, je me suis rendu compte que, et ça c'est un exemple personnel que j'ai découvert, ça c'est l'histoire d'un homme de Dieu qui m'a toujours haï dans son église, qui a toujours médit de moi. C'est-à-dire que ses cultes, c'est le prophète Ferdinand Ikane. Voilà. Il dit à ses fidèles que c'est la sorcellerie. Nous, on est des magiciens. On a, les gens qu'on attire là, ce n'est pas le charme. Le miracle là, c'est du diable et tout ça. Il n'y a pas de problème à ça. Mais malheureusement, les nouvelles qui sortent de sa propre église, et ce que lui-même dit dans son pupitre, et quand elle ne boit pas, moi je bois, je m'en fous, on s'en fout. Moi je bois. Donc, c'est-à-dire le monsieur boit. Le monsieur va dans les. Il va dans les bars, il boit. Va dans les bistrots, il boit. Il va dans les buvettes, il s'assoit avec ses amis païens, un homme de Dieu. Ils boivent whisky, fighter head, ils boivent baïlis, ils boivent tout ça, toutes ces choses-là. Ils les boivent. Et quand il revient sous à l'église, il dit que les gens qui quand ils rassemblent là, c'est faux, c'est la sorcellerie. Moi je bois. Et quand il dit que boire, ce n'est pas bien pour le nom de Dieu, allez lui dire que moi je bois. Attendez. Que tu boives, c'est ta bouche que tu utilises, ce n'est pas la mienne. Que tu boives, c'est ton foie que tu mets en danger, ce n'est pas le mien. Non, tu es libre de boire, mais
ne va pas dire aux gens que je pratique la sorcellerie, parce qu'en réalité, ma sorcellerie à moi, ma sorcellerie, c'est la lutte contre la compromission, ma sorcellerie. Cette nuit, je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as fait des promesses, tu ne peux pas m'abandonner. Maintenant que tu m'as ôté mon épouse, qui était une barrière autour de moi, tu vas m'aider. Je compte sur toi. Ta fidélité doit être mon bouclier. Tu vas m'aider à finir ce que j'ai commencé. Souviens-toi que tu m'as dit, voici le signe par lequel, moi, l'Éternel, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Je te fais confiance, Seigneur. Je tiens le pan de ton vêtement. Tu m'aideras, tu me mèneras jusqu'à bon port. C'est important. Donc, cher homme de Dieu, vous devez savoir une chose. La vie que tu mènes là a une influence, une répercussion sur ton ministère. Donc quand tu vois l'autre, il réussit là, avant de dire que c'est un sorcier et tout, demande d'abord que j'ai la sorcellerie pratique. Toi tu bois, tu vas dans la boîte de nuit. Moi je ne veux pas dans la boîte de nuit. Toi tu bois, je ne bois pas. Toi tu es avec les infidèles sous un joug étranger. Tu vas dans les bars, tu vous buvez ensemble avec les païens, vous parlez des choses païennes. Moi je ne le fais pas. Tu montes avec les bonnes femmes, voilà, tu fais des partout. Moi je ne le fais pas. Quoi encore, tu fumes. Tu, homme de Dieu, tu fumes. Là, c'est chicha ou c'est quoi là? Tu fumes la cigarette. Tu fumes ou je ne sais pas quoi, les cigares. Moi, je ne fais pas ça. On ne peut pas avoir les mêmes résultats, mon ami. On ne peut pas. On ne peut pas avoir la même expérience. Parce que, en fait, la vie du ministre du culte va avec son ministère. Ton ministère répond à ta vie. Donc s'il y a des compromissions dans ta vie, ton ministère aura aussi des compromissions. Aussi. Il faut que vous compreniez ça, mes amis. On ne s'est jamais croisé dans un hôtel que, ok, voici le prophète Karl Ferdinand, il a l'hôtel, vraiment il couche avec les femmes, ou bien le voici dans les bars, ou le voici dans la boîte de nuit. On ne se croisera jamais dans ces choses. Donc tu ne peux pas te mettre, c'est-à-dire que tu fais ces choses-là, et puis toi tu te dis, ok d'accord, ton ministère doit réussir, il ne peut pas. Dieu est juste. Moi mais je vais dire à Dieu que non, ce n'est pas possible. Donc moi je suis en train de me battre pour me sanctifier et te plaire. L'autre lui s'en fout de toutes ces règles là. Et tu lui donnes le succès plus que moi. Non, la sorcellerie c'est plutôt de vivre dans le désordre, dans la débauche, de se mettre sous un joug étranger avec les non-croyants et de vouloir que Dieu bénisse son ministère ou bien que Dieu bénisse ta vie. C'est ça le problème même avec les chrétiens aujourd'hui. On prophétise sur le mariage, on tient des séminaires sur le mariage. Quelqu'un ne se marie pas, en fait c'est qu'il est marié. C'est que la personne a déjà sa vie là, la personne vit sa vie, la personne a une double vie, c'est-à-dire qu'elle est à l'église, après elle est en boîte de nuit, après elle avait le mari de tel, après elle soit avec le mari de tel, aucune crainte de Dieu. Ou la crainte de Dieu qui pousse le croyant à dire non au péché, qui pousse le croyant à dire que non, ça je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu, parce que je suis consacré à Dieu. Cette crainte de Dieu est où? Donc, les enfants de Dieu de ce siècle sont en train d'échouer massivement. Les hommes de Dieu sont en train d'échouer massivement. Ça veut dire que il y a des milieux où les hommes de Dieu se retrouvent. Des milieux sales. Des milieux où ils ne devraient pas, où un homme de Dieu ne doit pas se retrouver. Des hommes de Dieu qui recrute des jeunes femmes, font des partous avec elles, des partous. Ce qu'elle dit là, c'est quelque chose de sérieux. Hein? C'est quelque chose de très sérieux. Ou qui se retrouvent dans des coins avec des petites, ils boivent, vraiment, c'est sérieux. Et la même chose pour les enfants de Dieu. La majorité de ceux qui viennent dans nos églises sont des inconvertis. C'est des inconvertis. C'est des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais aussitôt, après l'avoir écouté, vont l'abandonner pour retourner dans leur vomissure. En fait, ils mènent leur vie de mondain et leur vie d'enfant de Dieu. Or, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Jésus a dit que tu dois choisir entre lui et la mondanité. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est importantissime de se battre. De se battre pour se sanctifier. C'est important. C'est très important. C'est capital. Donc avant de dire que non, oh, on pratique la sorcellerie, non, c'est la magie, regarde d'abord quelle vie tu mènes. Tu vis comment? Comment tu gères ta vie? Comment tu gères ta femme dans ta maison? Ça c'est notre volet.
Beaucoup d'hommes de Dieu maltraitent leurs femmes dans leur maison. C'est des meurtriers dans leur foyer. La femme n'a pas de parole, la femme n'a pas de mots à dire. Elle n'a rien à dire. Des hommes de Dieu qui tapent sur leurs femmes. Et après tu viens dire non, les autres là, ce sont les faux hommes de Dieu. Et si tu as même d'abord vu comment eux ils vivent avec leurs épouses, toujours main dans la main, toujours barré collé, toujours s'embrassant, toujours le sourire d'amour, plein d'amour. Toi, tu tapes ta femme. Tu veux que ton ministère réussisse comment, mon ami? Tu vas faire comment pour passer, pour traverser la barrière de l'échec? Tu as fait comment? Puisque ce que tu sèmes, c'est ça que tu moissonnes. Beaucoup de femmes, d'hommes de Dieu sont maltraitées par les hommes de Dieu, mais elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas parler. Parce que si elle parle, son mari va l'excommunier. Tu vois un homme de Dieu qui parle à sa femme en public, à l'église, mais le gars, tu apprends aux gens à mépriser ta femme. Il insulte sa femme en public, gronde sa femme en public. Nous qui sommes dans les faux là, vous savez que toi tu as déjà vu où que le prophète Ferdinand Ekane a grondé sa femme en public, ou bien le prophète Ndefo, ou le prophète Lonti, ou bien le prophète Lesdou, je ne sais pas. Ces hommes de Dieu qui marquent cette génération. Toi, tu as vu ça où? Tu n'entendras jamais nos brebis raconter ça. Jamais de la vie. Parce que ce n'est jamais arrivé. Donc le problème, c'est quoi? C'est que au lieu d'être frustré en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, comprenons que le joug étranger est réel. Dieu m'a dit, cette nuit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, avec les non-croyants. Toi, tu es chrétien, tes amis, c'est que les non-croyants. Ce n'est que les non-croyants. Toi qui es pasteur, tes amis, c'est les non-croyants. Tu marches avec les infidèles. C'est eux qui te conseillent. C'est dans leur milieu que tu te retrouves. La Bible dit que ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Nous devons influencer notre monde. Mais on ne peut pas influencer ce monde avec la compromission. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il est important que chacun de nous ait un regard rétrospectif sur sa propre vie. Que chacun se pose la question, est-ce que ma vie honore vraiment Jésus? Avant de me plaindre que Dieu ne me bénit pas, le mariage ne vient pas, ma guérison ne vient pas, mon élévation tarde. Hein? Avant de te plaindre de Dieu, oh Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, Dieu est injuste et tout, il est capital d'abord de te dire, est-ce que je mène la vie que Dieu m'a exigée? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis loyal? Est-ce que je continue à jouer mon rôle en tant qu'enfant de Dieu? C'est important, bien-aimé. Donc, au lieu d'envier les autres, je pense que blâme-toi toi-même. Il faut te blâmer toi-même. Ne mets pas ton échec sur le dos de quelqu'un. Je ne suis pas responsable de ton échec. Non? Chacun de nous est responsable de son propre échec. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 2:19, néanmoins le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qu'il sert de sol. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà ce que la Bible dit. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, peuple de Dieu, prenons conscience, s'il vous plaît. Prenons conscience devant Dieu, s'il vous plaît. Prenons conscience. Les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt et la mort est devant nous. Ta sanctification devrait être une priorité pour toi. Une priorité absolue. Chaque jour de ta vie, une priorité. Avec qui je marche, comment je m'habille, comment je parle, mon caractère, mon comportement. Tout ça, c'est très important. C'est des questions qu'il faut se poser. Je vais attendre d'abord. Je vais passer une commande là. Bonjour. C'est combien? Hein? Ok, faites-moi un pardon.
excusez-moi, ça c'est émission touristique en même temps. Là, c'est pour combien? Il n'y a pas de pipette. Okay. Là. Là, c'est parfait. Là, c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est cribé. Oh oh. Ok, là c'est combien? Là c'est 500. D'accord. Tu n'as même pas de pipette. Excuse me, please. C'est une expérience. Là c'est pour la sanctification. Tenez. Merci. Ah, vraiment, la vie est belle avec Jésus. Hein. Tu es jaloux, vraiment, je suis désolé. Mon ami, je ne suis pas responsable de tes malheurs, pardon. Je cherche le coupable ailleurs. Servons le Seigneur, mes frères. Sois sincère dans ta manière de servir Dieu. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Sanctifie-toi, bats-toi, bats-toi. C'est pas facile, hein. Quand on dit sanctifie-toi, les gens pensent que c'est le jeu. C'est pas, la sanctification n'est pas le jeu. Non, c'est très sérieux. Tant je m'assois même d'abord ici pour boire bien le jus ici. Ah. Ouh, il fait beau de servir Jésus, hein. On te dit c'est Dieu, tu ne refuses, voilà. Maintenant que je bois, toi, tu n'arrives pas à boire. Ah, gloire à Jésus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup d'entre nous, nous sommes aigris. Nous sommes amers aujourd'hui pour une simple raison. Nous accusons Dieu. On accuse le pasteur. On accuse les églises. Mais tu oublies qu'en fait, celui qui a la clé de ton succès ou de ton échec, c'est toi-même. Ta vie est l'association, la rémanence, la réverbérance, la réminiscence de tes choix. C'est l'agglomération de tes choix qui te fait. Ce n'est pas quelqu'un. Personne ne peut ni faire ni défaire ta vie, mon ami. Personne. Hein? Personne, je t'assure. Toi seul es responsable de ce qui t'arrive. Donc crains Dieu. Agarita wa annas paris. Inna ulaika fela zobela tamana udali goloza. Suria lota wa anna asbromi dal frozen. Lokrum in esprot in vros minrat. Balketa wa annas maros. Donc j'invite tous les hommes de Dieu qui ont du mal, qui ont notre macabo. J'aime pas si c'est macabo, si c'est le tarot finalement. Hein. Ne vous en faites pas, mes amis. Il n'y a pas de sorcellerie, sanctifie-toi. Laisse les bars, laisse la boisson, laisse toutes ces bêtises-là, laisse les petites, laisse tout ça, abandonne, toi-même tu sais. Laisse la cigarette, viens me rejoindre dans ma sorcellerie. Tu verras ce qui va se passer. Wow. Donc, mes amis, le Seigneur est vivant et sa fidélité est là. Regarde, est-ce que je me compromets? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire? Quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas bien dans ma vie? Pourquoi elles ne fonctionnent pas bien? Est-ce que je suis fidèle à Dieu? Est-ce que je suis resté fidèle? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je suis à ma place? C'est des questions qui me préoccupent jour après jour. Toutes les nuits, je réfléchis à ça. Si je meurs maintenant, j'irai où? Toi, tu es là, tu te fâches. Quelqu'un là, il demande que si je vais aller où? Est-ce que je suis où Dieu veut que je sois? Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui ne plaît pas au Seigneur? Quel est le domaine de ma vie où je dois encore travailler? Toi, tu es là, tu m'accuses de sorcellerie étant sur une femme. Ou bien tu m'accuses de sorcellerie avec Faïta être entre les mains.
Maintenant, je bois le petit jus, tu veux te fâcher contre moi. Je t'ai fait quoi, mon frère? Donc, laisse ça comme ça. Donc, ce que nous allons faire, bien-aimés, c'est que nous devons être attachés à Jésus. Soyons attachés à Jésus, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Soyons attachés à Christ. Pour le reste, le Seigneur nous aidera. Je ne vais pas parler plus que ceci. Que Dieu te bénisse. Et je voudrais annoncer une très bonne nouvelle à tous nos bien-aimés qui ont participé pour les carreaux. Nous avons commencé la mise des carreaux. Nous avons commencé la mise des carreaux à l'église. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous battre pour que ce travail puisse aller jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont participé. Et ceux qui n'ont pas participé, je vous exhorte à le faire. Il ne se fait pas tard. Venez encore très nombreux participer et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit avec vous, que sa grâce soit sur vous. Et merci beaucoup pour le soutien. Joignons-nous la main et finissons de mettre les carreaux dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Et dernièrement, ceux qui ont pris les vœux, s'il vous plaît, il faut vous souvenir de vos vœux. Et tenez-les, personne n'a tenu son vœu, presque. Les gens sont là, sur son gond. Waouh. Donc, vive Jésus. Vive la sanctification, vive la consécration. Vive le souci de plaire à Dieu. Et vive ce jour. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.